Tchad est situé au cœur de l'Afrique entre le 7e et 24e degré de latitude nord et le 13e et 24e degré de longitude est. Le projet conservation du lamantin du lac Léré est cofinancé par le programme de microfinancement de fonds pour l'environnement mondial, le programme de développement rural décentralisé du Maïdala, du lac Léré et de la Kabia et les promoteurs, l'instance locale d'orientation et de décision des lacs Léré et Kéné. Il a pour objectif de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles communes du département du lac Léré. Le lac Léré se localise dans la région du Maïkébu, ouest au sud-ouest du pays. Le lamantin qui était autrefois répandu dans certains cours d'eau et rivières du pays n'existe actuellement que dans le lac Léré. Le lamantin présente en outre des intérêts sociaux, culturels et écologiques. Dans la nature, seul l'homme est son prédateur. L'ensemble de ces valeurs est paradoxalement méconnu du grand public, d'où la faible participation aux efforts de protection. Il s'ensuit une faible efficacité de la stratégie de surveillance mise en place, ainsi que les conventions de pêche qui sont méconnues et moins respectées. Se focalise entièrement dans la région du Maïkébu ouest au sud-ouest du Tchad. Au sujet du lamantin, le braconnage n'est pas rare. Plus grave encore, son milieu naturel est gravement menacé, son habitat se réduit sous la pression. Il est intégralement protégé par la législation nationale. Les causes de ces braconnages sont fort nombreuses. On peut les regrouper en trois grands groupes. Le braconnage et les abattages accidentels. Il est chassé pour sa chair et principalement son huile qui est vendue presque à 300 000 francs le litre au marché au Nigeria. Un lamantin peut fournir jusqu'à 10 à 15 litres, voire 40 à l'âge adulte. Ces valeurs monétaires attirent des appétits des agents des eaux et forêts et voire les autorités locales. C'est ainsi que des cas de complicité avec les braconniers ont été signalés. Deuxième menace, l'écosystème et la biodiversité en péril. Le lac est soumis à une forte pression humaine induite par l'augmentation démographique et ses activités intensives de production lacunes au niveau des berges. On enregistre une dégradation des berges. L'ensablement et l'envasement progressif du fond du lac. La pollution, d'où on enregistre la diminution des ressources halieutiques et pastorales, ainsi que la disparition de certaines espèces de faune et de flore. Le lamantin est également victime des filets de pêche, dont il ne peut se dépêtre, des sacs plastiques qu'il ingère et avec lesquels il s'étouffe, aussi les hélices des orbores. Blessé, l'animal ne tarde pas à mourir, laissant souvent des orphelins incapables de survivre. Troisième menace, les lacunes de connaissances scientifiques qui causent des difficultés dans la planification de la sauvegarde et la gestion, d'où le risque de perte de ces patrimoines. Les activités de protection sont axées sur l'information, l'éducation, la communication, le renforcement des capacités et la restauration des problèmes. Les problèmes ainsi identifiés, quelques solutions apportées, on assiste à une prolifération des sites de lamantin. On en dénombre actuellement 25. Les actions de plaidoyer auprès des partenaires, autorités locales ainsi que les personnes de bonne volonté pour les contributions financières au sauvegarde des lamantins. La taxation et la fiscalité locale et autres activités génératrices de revenus, entre autres l'écotourisme, la pêche sportive et la pisciculture, sont les actions de pérennisation de ce projet. Financement en dollars, SJP 50 000, Prodalca 44 076, ILO 13 380.